习近平总书记曾经精辟地指出，中国同非洲国家，我们是患难之交，患难之交不能忘。因此，不管世界上怎样的变化，也不管别人说什么，中非之间的深厚友谊都是牢不可破的。 Congratulations to the CGTN. Toutes mes félicitations pour les progrès que le CGTN a fait dans son travail. Comme l'a dit le président Xi Jinping avec perspicacité, la Chine et les pays africains sont des amis à toute épreuve, nous ne pouvons jamais l'oublier. Quels que soient les changements dans le monde et quels que soient ce que les gens disent, la profonde amitié entre la Chine et l'Afrique restera toujours inébranlable et le concept de sincérité, pragmatisme, amitié et franchise que poursuit la Chine dans les relations sino-africaines ne changera pas. Will remain true. 加强同非洲各国在反恐、打击海盗、防灾、减灾这些非传统安全领域的合作，从而不断提高非洲国家的维护自身和平与安全的能力。As Africa's brother and partner, en tant que bon frère et bon partenaire des pays africains, nous avons toujours à cœur les besoins et intérêts des pays africains et nous œuvrons à répondre à leurs besoins urgents. L'Afrique a devant elle deux missions importantes, celle de préserver la paix et la sécurité et de promouvoir le redressement et le développement. En fonction de leurs besoins, la Chine travaillera pour renforcer les efforts de bons offices dans le règlement des points chauds, renforcer la coopération avec les pays africains dans les domaines de sécurité non traditionnels comme la lutte contre le terrorisme, la piraterie et les calamités naturelles pour aider les pays africains à accroître sans cesse leur capacité de préserver la paix et la sécurité. Les pays africains sont indispensables dans la construction de la communauté de destin pour l'humanité. Nous invitons nos frères et sœurs africains à continuer à prendre le train rapide du développement de la Chine. En septembre prochain, le sommet du FOCAC se tiendra en Chine. Les dirigeants chinois et africains vont se retrouver à Beijing 12 ans après le sommet de 2006 pour discuter de la coopération sino-africaine dans la nouvelle ère. Ce sommet se focalisera sur la construction commune de la ceinture et de la route et de la communauté de destin sino-africaine. À nous d'associer la ceinture et la route avec le programme 2030 de l'ONU, l'agenda 2063 de l'Union africaine ainsi que les stratégies de développement des pays africains. Le sommet donnera des ailes à la coopération Chine-Afrique pour qu'elle prenne un élan plus vigoureux et aille plus loin grâce à l'initiative La ceinture et la route.